Quand est prévu mon procès ? Quand le Jarl l'aura décidé. Tu peux toujours attendre. Plus longtemps un homme s'échine à casser des cailloux, plus il est docile pendant son procès. Celui-ci attend depuis un an. Celui-là, 3 ans. Mon procès est pour aujourd'hui. C'est Lugos qui l'a décidé. Ah. Oh, oui. C'est vrai. Bien. Ma lignée remonte à Hubin le Grand, et ce chien l'a anéanti. Il mérite la mort. Je suis le seul juge ici, Lef. Ne l'oublie pas. C'est un vagabond, un étranger. Il ne mérite pas un procès, encore moins une mort par l'épée. Il... Non, continuez. Ça m'intéresse. Geralt, vous ne pensez pas vous revoir si vite. Vous m'avez invité sur vos terres, Lugos. Vous m'aviez promis du travail. On vous a invité pour tuer des monstres, pas des hommes. Bon, venons-en au fait. Leif prétend que vous avez tué ses deux fils, Cori et Kraki. Qu'avez-vous à répondre ? Je n'ai fait que me défendre, et défendre Yorgund. Personne n'a confirmé tes dires, sorceleur. Et personne ne le fera. C'est plus facile de pendre un étranger que de juger l'un des vôtres, non ? Votre langue est aussi affûtée que vos lames. Affûtée ? Il m'insulte, Jarl. Il insulte tout le clan. Le Codex des Ancêtres dit que... Silence. J'ai pris ma décision. Geralt de Rive, je vous déclare doublement coupable de meurtre. La sentence est la mort par suffocation. Cela étant, vous disposez d'une porte de sortie. Il vous suffit de payer le poids de Cori et Kraki en argent. Je n'ai pas cette somme. Vous le savez bien. Ces deux-là étaient bien charpentés. J'en suis bien conscient. Je vais payer le prix du sang moi-même. Quoi ? Mais c'est contraire à toutes nos lois ! C'est moi qui décide des lois. Rentre chez toi, Aleph. Si je t'entends encore une fois, je t'attache ce sac d'argent autour du cou et je te jette à la baille. Merci. Mais j'imagine que ce beau geste n'est pas gratuit. Dites-moi, sorceleur, avez-vous le sens de l'honneur ? Oui. J'ai payé Leif pour vous. Vous me devez donc une faveur. Alors écoutez-moi attentivement. Mon fils, Lugos Labeigne, est parti à l'aventure. Mais pas pour combattre les escadrons noirs ou piller un couvent, non. Il s'est mis dans la tête d'explorer la caverne des rêves au sud de l'île. Personne n'en est jamais revenu. Vous êtes malin et vous savez manier une épée. Deux traits qui vont rarement de pair. Vous allez aider mon fils. Imbécile ou pas, j'ai besoin d'un héritier. Si vous refusez, vous perdrez non seulement votre dignité, mais aussi votre réputation. Tiens-toi bien, Lise. Oh, rien que le nom m'intrigue déjà, tu vois. La caverne des rêves, j'adore. J'adore. Et honnêtement, j'allais lui dire en plus, j'allais dire, ça commence à devenir un petit peu répétitif, alors que je l'ai dit depuis le début du jeu, aucune quête n'est la même. Même si le genre de monstre se ressemble fortement, c'est vrai que ça met à chaque fois dans des situations différentes, etc., etc. Et là, du coup, d'un coup comme ça, ils ont cassé la répétitivité et d'un coup, ils ont mis une quête qui suivit une autre quête. Honnêtement, c'est trop fat. Voilà, quoi dire encore sur le jeu, putain, j'en ai marre. Hey. Attention à ce que tu fais. Et s'il y a des gens encore à la fin de ce let's play qui me disent est-ce qu'il vaut le coup The Witcher, qu'est-ce que je fais les gars ?
On leur fait quoi à ces gens? Salam. Où tu vas comme ça? Ta gueule. Arrête. On les pend par les couilles. Tu vas tuer. Mais t'es où, Spade? Tu sais pas savourer les vrais jeux, mon frère. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent passer juste 400 heures sur Call of Duty. Et honnêtement, franchement, ça fait vraiment plaisir. Et le seul truc qui m'aura fait plaisir, honnêtement, moi, sur ce jeu, c'est que mon frère s'intéresse à ce jeu, alors que c'est un putain de fan des jeux multijoueurs et surtout de Call of Duty. Pour que mon frère me demande que je lui prête la version PS4 de ce jeu, c'est que, honnêtement, ce jeu, il a des trucs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh oui, Ablette, on passe par n'importe où, on s'en bat la race, nous. Voilà, la moitié d'un guerrier. Il faut passer par là, t'es sérieux? Bonne soirée, JK, passe une excellente soirée, mon frère. D'accord. Chou. Ça sera mieux à pied. Qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, le petit quart de ce chemin. Une fois que j'aurai oublié ton let's play, le mec, il va se Oh là là, j'arriverai pas à le dire le mot. J'arriverai pas à le dire là, je suis tellement dans un élan de merde ce soir. Je fais de la diarrhée mentale, les gars. What the fuck? Et j'aurais dû prendre du L'Oreo doré. Lobotomiser. Voilà, j'ai réussi à le dire. Lobotomiser le cerveau. Créature. Ah non, mais je suis en combat. Bon, on va prendre juste du L'Oreo. Ça lui a rien fait quoi, je pensais qu'il allait avoir un petit truc genre feint easy. J'arrivais pas à le poser quoi. Allez, mon vieil frère, laisse-moi poser mon truc, enculé. Ok. Petit coup de Fireflame. C'est crée, hein? La forêt tendre, ça. Regardez combien il a brûlé, l'enfoiré. Yop, ça va, ça vaut quoi? C'est à peu près ça, Spade, ouais. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je t'avais pas vu, frère. Quand je te vois, à chaque fois que tu survoles les streams, je sais pas si tu l'as du début jusqu'à la fin ou... Je sais que tu faisais pas mal d'aller-retour. Bon, on va y aller.
Ah, c'était lui qu'il fallait amener. Wouah, laisse tomber, frère. C'était pas le mec que j'avais vu tout à l'heure, ça? Salut, Point West. Ok, j'avais parlé tout à l'heure. Vous savez à quoi remonte la dernière fois qu'un Continental est monté sur mon Drakkar? Non. Eh bien, c'était pour convoyer des prisonniers de Velen au marché aux esclaves de Nazaire. Maintenant, dites-moi ce qui vous amène ici. Vous auriez du travail pour un sorceleur, par hasard? Vous voulez nager jusqu'à Spikrou, par hasard? Eh les gars, foutez-le à poil et jetez-le par-dessus bord. Attendez, je sais que vous allez à la caverne des rêves. Une épée de plus ne serait pas trop, non? Même si des griffons et des wyverns nous attendent dans cette fichue caverne. Mes gars et moi... Vos gars et vous ne connaissez rien aux monstres. Griffons et wyverns ne partagent jamais le même habitat. Vous serez peut-être utile après tout. Très bien. Je vous prends à bord. J'étais sur le point de partir. Vous êtes prêts? Allons-y. C'est loin d'ici? Non, c'est juste à deux pas. Je vais rassembler les gars. On saura bientôt si les légendes sont vraies. Bonne nuit, Ryu. Passe une excellente soirée, frérot. Geralt, je vous présente mes meilleurs guerriers. Ils vont venir avec nous. Vous connaissez déjà Yoruf, le Carcajou? Salut. Et ce gaillard-là, c'est Uve la Bafouille. Il est muet, Uve? Il n'a plus de langue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a léché une lame gelée? Non, il l'a arrachée lui-même après avoir insulté le roi Bran un soir de beuverie. Il a perdu sa langue, mais il a conservé son honneur. Wow. Elles sont intéressantes, vos coutumes. Avant de partir, vous voulez bien m'en dire un peu plus sur cette caverne? J'aimerais au moins savoir à quoi m'attendre. Vous seul pouvez répondre à cette question. Les anciens disent que dans la caverne des rêves, on affronte ses plus grandes peurs et ses pires cauchemars. Passé, présent, futur, tout est possible. Je me demande bien ce qui pourrait faire peur à un tueur de monstres. Mais assez parlé, les gars. Allons-y. Sa torche. Comment on appelle les Nekir? Aucune idée. Yevgar Bar. Yevgar. Le totem, comme prévu. C'est le moment de manger les herbes. Pourquoi faire? Pour continuer. Pour atteindre l'origine des cauchemars. C'est ce que dit la légende. Très bien. Donnez-moi ces herbes. Tenez. Uve, Yorulf, mangez tout jusqu'à la dernière graine. Bienvenue à toi, monsieur. Je sens les hallucinations qui vont monter. Sans aucune différence. Toi, Uve? Il joue de la guitare, frère. Oh. Tu demandes son avis à un muet? T'es déjà prêt? Allons-y, les gars. Il est temps d'affronter nos peurs. Et merci du follow. Ça plane là. Wow. Oh my fucking god. C'est un orcal. C'est trop gros pour être un orcal. Non. Oh. C'est une baleine bleue. Une baleine bleue?
Avec un nez pareil? Mon pauvre vieux. Les herbes ont enlevé l'esprit. Wow, je vais la kiffer cette mission, les gars. Descends de ce trône pendant que tu en as encore la force. Uve, mais... tu parles? Ce n'est pas... Je n'ai... Tu m'insultes encore une fois, Uve la bafouille. La première fois, je t'ai laissé choisir ta punition pour laver ton honneur. Mais cette fois-ci, tu vas mourir comme un chien et ton cadavre sera jeté en pâture aux poissons. Et toi, ton commandement d'un bagarre ton marqueur à la tête de la bafouille. Désolé pour le son, hein, d'un coup ça m'a choqué. Hein. Je connais ce truc. Sirène. Oui. Bien sûr. Tu le connais. C'est le drakkar de ton père. Le drakkar échoué par ta faute. Perdu dans notre douce chanson. Je vais vous tuer. Je vais toutes vous tuer, sale pute des mers. Tu peux nous tuer, oui. Mais pas lui rendre la vie. Assassin. Le fils a tué le père. Ouais.
Bienvenue à PSG Magique. Mort de rire, merci, voir. T'es calme. C'est étrange. C'est mon rêve, alors. Je n'ai peur de rien. J'avais 3 ans. Depuis, j'ai prouvé 100 fois que je... Tu t'es pissé dessus devant tout le village. Toi, le fils du Yarl. Quelle honte. J'aurais dû te bannir ce jour-là. T'es qu'une vision. Un spectre. Une vision de ton père. L'homme que tu crains par-dessus tout. Tu sais que tu ne lui arrives pas à la cheville. Tu l'as toujours déçu. Je suis un meilleur guerrier qu'il ne l'a jamais été. Oh le bâtard. C'est le griffon amélioré, Zanix. Oh, là ça pue par contre. Il a pas de level. Mais pas que ça se passe entre lui et moi pendant que je suis les cassé où. Les quêtes annexes sont simplement magnifiques, c'est un truc de ouf. Sublime. J'en ai aucune idée, Ogier. Je suis à 14 jours de jeu, à peu près entre 6 et 7 heures par live. J'ai resté inconscient longtemps. Plutôt, ouais. Tenez, voici votre ordre. Partez d'ici, je veux plus vous revoir. Pourquoi vous ? Mon père a envoyé un messager. Vous aviez fait serment de m'aider, mais vous avez tout de même demandé un paiement. Prenez votre or et partez loin d'ici.
ne revenez plus sur nos terres. Ah, carrément quoi. Ça veut dire que j'aurais fait encore le mauvais choix. Sans lui, c'est un psychopathe le Jarl, donc là il se fait foudre. Hallucinante cette caverne, hallucinante, elle m'a fait péter un câble. Non, il est bugué le truc de l'inventaire, frère, j'ai déjà fait. Ils disent que je suis à 14 jours de jeu, mec. 5h et 43 minutes et 33 secondes, c'est impossible. J'ai pas joué autant sur le jeu. Salut King, ça vaut quoi? Du nerf, Ablette. Eh oui, mec. Je ne connaissais pas ce bug. Il y en a beaucoup qui l'ont. Et 14 jours de jeu, non, non. Je suis quand même une personne qui no-life le jeu, mais pas à ce point, frère. Des limites. J'ai même pas vu combien il m'avait donné ce bâtard là. Il m'a rien donné du tout, frère. La meilleure épée ne vaut rien. Tel père, tel fils quoi. De gros con quoi. J'aurais dû les étriper les deux. Hein. Quoi de neuf dans le jeu? Ben rien de spécial, mec. Hein, on s'est attaqué. On a terminé toutes les quêtes de Velen. Velen, Novigrad et Oxenfurt. Si je dis pas de conneries, hein, il doit rester quelques quêtes, mais qui sont trop level par rapport à mon niveau. Sinon, j'ai fait à peu près tous les points d'interrogation. Et du coup, là, ben, on s'est rendu. On a fait des quêtes principales hier. Oh merde, le con. Oubliez ce petit détail. Ça va, j'ai oublié, putain. Et du coup, ouais, je me rends à Skellige, d'ailleurs, je fais pas mal de conneries. Là, j'ai volé devant une garde, normal. Vous êtes du clan Brockvar. Du pur Brockvar, pour ceux. Ciao, passez bonne soirée, Barry. J'ai trouvé quelque chose qui vous appartient. La cargaison d'un drakkar échoué au nord d'Art Skellig. Ah, c'est sûrement le courroux d'Endal. Il est parti il y a un mois pour piller les côtes du continent. Il n'est jamais revenu. Vous n'auriez pas trouvé une épée dans l'épave. Une belle épée, bien décorée. C'était celle du capitaine. Sa famille voudra sûrement la récupérer. Oui, je l'ai trouvée. Je veux bien vous la rendre. En échange d'une petite récompense. Bien sûr, c'est la moindre des choses. Merci. Si vous faites vite, vous pourrez peut-être récupérer le reste de la cargaison. On va s'en occuper. Il faut que je rassemble des volontaires. Mais merci pour l'information. De rien. Adieu. Oh, le diable m'emporte. Et du coup, on a fait quand même pas mal de petites quêtes principales aussi. C'est trop...
Pourquoi tu veux pas descendre ?